إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Frères Kinaïman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrer nos reconnaissances envers Rabbul Alameen pour sa faveur qu'il y peut faire pour nous. Il peut permettre nous, pour nous réunir dans une des bonnes meilleures places, dans une parmi ceux de la case, afin qu'il nous capable de continuer à prendre concernant ce digne. Nous capables de continuer, rappelle nous-mêmes avec l'objectif pour nous renforcer nos connaissances et par la suite nous renforcer nos iman à travers sa connaissance et sa bonne rappel qui nous gagnera. Tout grand bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui finit de nous l'intelligence afin qu'il nous capable de gagner la compréhension de ce dîne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'effet de nous la capacité pour qu'il nous capable transforme ce qu'il nous apprend dans la pratique, nous mette dans nous la vie. Frère Sanslam, comme une introduction à nos sujets, nous pose une question qui fait nous besoin apprendre concernant l'islam? Qui serait utilité nous besoin apprendre concernant l'islam? Alors, ça, topic avant, frère, ce sujet-là, Inch'Allah, nous vous traitons dans 4 sessions. Je veux dire, 4 vendredis, à partir d'aujourd'hui, 4 vendredis, Inch'Allah, nous vous traitons ce sujet-là. Qui fait, nous besoin apprendre concernant sa faveur qui Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a fait faire pour nous. Et Inch'Allah, à travers ce qu'il nous va apprendre, alors, nous capables qui nous donne l'importance à sa dîne là. C'est ça l'objectif de hier, ça rappelle là, afin qu'il nous vienne ban qui nous pas prendre l'islam, veut dire à la légère, ne pas prendre l'islam comme si c'est une chose qui nous gagne le plateau, alors nous faire ce qui nous envie avec lui. Alors, en fait, Ebansur Kenaïman, dans sa élaboration qui nous prenne, sa 4 sessions là, nous pas pour tous du tout, quand nous cause l'islam, nous pas pour tous du tout, ça aspect qu'appelle la loi de l'islam, ou bien, ban, ibadat, qui nous fait dans l'islam. C'est pas ça, nos sujets. Nos sujets, c'est plutôt l'islam en lui-même. Ce vertu, ce, l'obligation, et ban, les autres petites choses qui attachées avant qu'ils nous arrivent à ce qu'appelle, ban, la loi, et, ban ibadat qui nous supposait faire. Qui fait, qui l'importance liée à ça, qui se faisait avant frère,
C'est afin qu'il nous sensibilise nous-mêmes, nous rappelle nous-mêmes concernant sa dîna, sa dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'in de nous, nous guérit avec toute facilité. Alors nous rappelle nous-mêmes concernant sa dîna. Quand nous causons l'islam, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, quand nous guettons l'état du man musulman, qui halet man musulman était, qu'il y soit dans nos pays, dans Maurice, ou bien à travers les mondes, nous vous trouvez qui musulmans, les fins prend ce dit, comment dire, une quitteuse banale, les fins, une quitteuse insignifiante, les pays n'ont aucune valeur dans ce regard. Les musulmans, mais seulement, des fois, nous trouvons les préfères, ou bien ça même sortit au sol à bouche, préfère telle religion, ou bien telle religion. Il y en a telles affaires. Il pas nous comprend. Ça dit qu'il y gagne avec facilité là. Il pas nous comprend qui se l'importance. Il pas nous comprend comment ça dit là, faire libre une supérieure à ban les autres. Il pas nous comprend ça dit là même, qui, c'est ça qui peut amener nous vers ce succès, vers ce réussite dans l'akhirat. Alors, mon frère et ma soeur, nous faisons oublier fin ena ban qui fin vivre avant nous. Bon, depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bin imam. Parfois, nous arrivons à oublier qui zéfo, qui sacrifice sa banna fin faire. Je fin vers, je te l'assure, je fin vers, je disant, ena même, fin quitte, je te la vie, le champ de bataille, pour qui, aujourd'hui, nous sommes capables de gagner l'islam. Aujourd'hui, nous sommes capables de pratiquer l'islam avec toute sa facilité qui est devant nous là. Donc, Inch'Allah, mon frère et ma soeur, à travers ces quatre sessions-là, et nous vous trouvez qui nous vous apprend ça, ban kitcheuse-là, juste à travers la lumière de ban ayat Qur'an et ban hadith. Ne pas pas même, mais dire les autres kitcheuses, c'est à travers ban ayat Qur'an et ban hadith, alors nous pouvons essayer de mettre devant eux vertu de sa dîne-là, qui se l'obligation, et certainement les autres aspects encore, qui les bouffait à nous, comprend l'importance et l'honneur qui Allah subhanahu wa ta'ala l'effine de nous à travers l'islam. Qui Allah subhanahu wa ta'ala qui cadeau l'effine de nous, qui aujourd'hui nous pas peut prendre compte. Alors, mon frère, et ma soeur Kenaïman, pour nous sessions aujourd'hui, nous prenons deux points, Inch'Allah, avec nous. Premier point qui nous va prendre, c'est concernant vertu de sa dîne là lui-même, vertu de l'islam. Alors nous comptons très bien, l'islam c'est celle dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait acceptable auprès de lui. C'est celle dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décrète acceptable auprès de lui, veut dire le jour du qiyama. Quand nous vous déboutons dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a pour libre à accepter. Et ça, c'est une chose qui, normalement, tout musulman est conscient de ça. Tout n'a aucun musulman sur la terre, excepté qu'il y reconnaît qu'il s'est digne d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire digne à l'islam, qui reconnaît contre Allah. Parce que c'est un dimon. Il n'est pas reconnu ça. Donc, il n'est pas considéré même un dimon qui est dans l'islam. Parce qu'il trouve un autre digne qui meilleur qui l'islam, alors lui faire couf. Donc tout musulman, il est conscient de ça. Mais seulement avec l'insouciance, avec piège de shaitan, avec travail que shaitan fait à l'arrière, alors nous arrivons à oublier lui parfois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah Ali Imran, ayat 19, « Inna d-din inda Allah l'islam » Certainement, religion qui est acceptable auprès d'Allah, ou bien seule religion qui accepte auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, lui prend l'engagement, lui prend la responsabilité pour lui préserver sa dîne. Donc, Allah banne les autres dînes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait envoyer auparavant. Comment dîne de ban Yahoud, dîne de ban Nasara, nous trouvons finalement une falsification. Mais, dîne à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin donne nous la garantie, et il fin prend ça l'engagement là lui-même, qu'il vous préserve sa dîne là, comme il fait nous connaître, dans surah Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement,
nous finissons Ad-Dikr. Et qui est Ad-Dikr? C'est Coran. Et Coran, qui les représente, les représente par l'enseignement de l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, certainement, nous finissons Ad-Dikr al-Coran, et nous, nous vous préservons. C'est nous qui vous préservons, et bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous préserve sa dîna. Et quand nous cause vertu, mon frère, mon soeur, qui est l'aïman, en arabe, on appelle ça al-fadl. Al-fadl, en arabe, veut dire quelque chose qui surplus, quelque chose qui emplisse. Donc, quand nous cause vertu de l'islam, c'est-à-dire, qui va quelque chose qui l'islam, l'iéna emplisse, l'eau va les dîner. Qui va quelque chose qui l'islam vient amener, ou bien qui donne nous, qui sait faire l'islam bien supérieur à ban les din, comparé à ban din comment et ban din de ban yahoud ban juif et ban chrétien. Alors nous, la question encore une fois l'y poser, mais nous tous nous déjà ban musulmans, nous tous nous déjà ben pratique l'islam, alors qui fait nous besoin apprendre. Nous devons apprendre ça. Qui fait, nous devons apprendre concernant vertu de sa dîna. Nous pas déjà, ben, musulmans qui peut pratiquer l'islam, qui peut faire 5 fois la masse, qui peut garder rosa, qui peut faire hajj. Donc, qui fait, nous devons connaître sa topic-là, sa vertu de sa dîna, qui fait, nous devons connaître. Donc, il y a un problème à faire, ben, l'étienne pratique de ben arabe, quand je type juste pour montrer ben, dimoun, l'importance d'un kitchouz, qu'est-ce que tu peux faire? Je tu peux montrer ça, dimoun, là, vertu de sa kitchouz là avant. Avant qu'il montre lui sur l'importance, avant qu'il dise qu'il faisait faire telle, telle affaire, alors tu peux montrer lui vertu de sa kitchouz là. Qui fait? Qui ça, c'est ça? C'est quand nous connaissons vertu de ça. Et dans vertu qui nous apprend sur la récompense, qui nous gagne quand nous faisons sa kitchouz là. Quand nous apprenons ça, alors, nous retrouvons, nous finissons sensibilisés, nous finissons attachés avec sa quitteuse-là, alors, nous vous trouvons facile pour mettre en pratique dans nous la vie. À cause de ça même, je vous trouvais dans n'importe qui livre de Banon Lama. Je vous trouvais qu'avant qu'ils se traitent ce sujet-là, première quitteuse qu'ils ont traité, c'est vertu de telles affaires. Nous prenons Rosa. Ben, livre qui n'est qu'un rosa. Alors, vertu de rosa. Vertu de salade. Vertu de telle quitteuse. Vertu de telle action. Ça, c'est juste pour qui, nous, les qui, est capable d'attacher avec ça, sujet-là, ou bien ça, quitteuse-là, et nous trouvons les faciles, nous trouvons les faciles, nous. Alors, ben, frère, et ben, soeur Kenaïman. Un parmi, ben, ayat Coran, qui montre nous vertu de sa dîne-là, veut dire, montre nous supériorité, et bénéfice qui nous est là quand nous attrape l'islam, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah Al-Ma'ida ayat 3, il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Ça c'est un ayat Coran qui peut-être parmi nous, nous tous nous des attendons. Si nous pas connaissons pas qu'il y a au moins nous des attendons, nous tous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire nous, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut refaire nous comprendre, pas dire ça. Alors, nous pensons de cette traduction, mais nous vous prenons du bout par bout, afin qu'il nous capable de comprendre qui Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, il peut accorder nous comme faveur, quand il peut dire nous, l'Ifin donne nous l'islam comme un dîn. Alors, mon frère, éventuellement, Kenaïman, premier quitteuse qui Allah subhanahu wa ta'ala, l'Ifin nous connaît là-dedans. Quand il commence sa ayat-là, il dit au commencement de sa ayat-là, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Azoudi, il dit sa jour qui sa ayat-là fin de sa. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Azoudi, je viens complète pour je dîn. Le fait complet, vous êtes je dis, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait complet, sa dîne là, en lui-même, c'est une vertu. En lui-même, c'est une vertu quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître
qui définit complète sa dîne là. Et en plus de ça, celui qui fait une complète sa dîne là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une vertu, l'eau est une vertu, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, créateur de tout qui est créateur de les ciels et la terre, créateur de l'insan, celui qui connaît l'insan, plus bien qu'il lui-même, les fins de sang, l'islam, comme un guide pour lui, lui peut dire ça, l'insan, là, mon fin complet, je dis une poussette, et c'est lui-même qui fin complet, dit donc, peine personne qui meilleur, qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de nous un dîn qui parfait, et un dîn qui peut amener nous vers nos réussites. Donc, après, éventuellement, la perfection de l'islam comme un dîn complet, ça montre nous sa vertu dans deux façons. Premier, c'est l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe nous, l'islam c'est un dîn complet et parfait. Ça, c'est le premier point pour montrer nous comment la perfection de l'islam, c'est une vertu. L'islam en lui-même, c'est un dîn complet et parfait, et une quitteuse qui est parfait, pénadoute, dit supérieur à ban, avant les autres quitteuses, dit meilleur qui ban les autres. Donc, en tant qu'un dîn complet et parfait, l'islam, il y a une supériorité, l'eau ban les autres, l'eau ban les autres religions. Et déjà, c'est ce qu'on va nous dire, celui qui fait une complète lycée, c'est Rabbul Alamin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a connaissance de tout quitteuse. Celui qui n'a pas oublié non ni, celui qui n'a pas fait aucun erreur, et celui qui a beaucoup raham, beaucoup pitié pour nous. Donc, quand il finit de nous dire l'islam, alors c'est, il finit de nous un dit qui peut amener nous vers nos réussites, qui peut amener nous vers le succès, qu'il soit dans le dunya ou bien dans l'akhirat. Donc, mon frère, ma soeur, juste avec sa tibout ayat là, là même nous finit trouver comment l'islam, c'est un dit qui il est supérieur avant les autres religions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit continuer dans sa ayat amen de dire wa atmamtu alaykum ni'amati. Mo fin complète pour eux, mo faveur. Mo fin complète pour eux, mo faveur, mais dire il fin complète tout ce ban faveur l'onu. Et qui plique mon faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin fait l'onu, c'est li fin de nous l'islam. Li fin de nous l'islam, ça c'est plus grand faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin de nous. Un faveur divin qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, Allah subhanahu wa ta'ala, dans même ayat, il continue de dire, wa raduitu lakum l'islam adina. Wa raduitu lakum l'islam adina, me satisfait pour vous avec l'islam comme un din, comme un guide, comme un mode de vie, comme un modèle pour vous vivre l'eau salatée là. Donc, parmi les vertus que l'islam, et là, c'est sa même dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fin satisfait avec nous. Lui complète, lui un dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait avec ça. Et c'est meilleur faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fin fait à nous. Alors, ben frère, et ben frère Kenaïman, est-ce qu'il y a une petite chose qui est plus meilleure que ça qui nous capable d'atteindre pour nous gagner autre que l'islam? Donc, si nous pas fin comprendre ça, ou bien plutôt, quand nous pas fin comprendre ça, ayat Qur'an là, et qui sont l'application, les alamènes qui nous trouvent beaucoup parmi les musulmans, je tourne les dos avec l'islam, pour je t'ai le route, ce qu'ils ont gagné dans l'islam, je t'ai le route ça dans les autres façons, ou bien je t'ai le route dans les autres religions. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-ni, ça le nez qui Allah fin donne-ni dans sa dîne là, il tourne les dos avec ça même, pour y aller au de ça même qui te dans ban les autres dînes. Ça, c'est quand nous pas fin comprendre vertu de sa dîne là. Alors, à cause ça même, il est important pour nous apprendre concernant vertu de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa man yabtaghi ghayra l'islam dîna, fala yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui rôde un dîne autre que l'islam, il rôde une religion autre que l'islam, alors, ça pas pour être accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il va pas accepter ça. De sa personne-là, et dans l'akhirat, il vous retrouve lui parmi les perdants. Dans l'akhirat, il vous retrouve lui parmi les perdants. Et nous connaissons très bien. Dans l'akhirat, les perdants, je place que pour être. Personne parmi les perdants, je place pas pour retrouver dans le jannat. Je place, c'est l'enfer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala,
li pe averti nou kont sa ki chez ki apèl le road l'islam ou bien le road lené le road et ban ki chez ki nou gagne dans l'islam nou al road bien notre place Allah subhanahu wa ta'ala li pe averti nou afin qu'il nous parvienne parmi ban pédon le jour du qiyama. Et un deuxième ayat, ban frère, ban soeur, pour montrer nous vertu de nous dire et qui beauté Allah subhanahu wa ta'ala qui cadeau les fin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala disait dans son hadith, ayat 28, Ya yuha alladina amanu taqullah, O ban qui fin amen iman, gagne la frayeur pour Allah, gagne taqwa pour Allah. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. En parmi bonne façon, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nos vertus d'un quitteuse, c'est quand il fait un mention de ce bonne récompense. Quand il fait un mention de bonne bienfait qu'il peut accorder nous à travers sa action là, ou bien à travers sa quitteuse là, donc Allah subhanahu wa ta'ala montre nous ce vertu. Donc quand on trouve une grande récompense qui est attachée avec une quitteuse, alors ça montre nous qu'il valait sa quitteuse-là, liée-là, et qu'il a l'importance liée-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire « Ya yuhalladina amanu » au ban qui fait amen iman. Et comment ban ulama fait expliquer, je dis, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire « Ya yuhalladina amanu » au ban qui fait amen iman, connaît après ça. Et n'a soit un l'autre qui peut venir, ou bien une interdiction, un empêchement qui peut venir. Donc ici, c'est un l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Il dit, « O ban qui fait amen iman, ittaqullah, gagne la prière pour Allah, gagne taqwa pour Allah. » Et qui était taqwa? Taqwa, c'est nous vivre dans l'obéissance à Allah, nous mettre une barrière entre nous et désobéissance, et désobéissance et une barrière entre nous et colère à Allah. Nous vivons dans l'obéissance pour nous mettre une barrière entre nous et coller à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire ittaqullah, gagne la prière pour Allah. Wa aminu bi rasuli. Et amen iman de son rasoul. De qui tu veux pas amen iman de sa rasoul là? Amen iman de sa message qui sa rasoul là fin amené. Amen iman dans la loi qui lui fin amené. Amen iman dans ce qui lui fin informe nous. Et amen iman dans ce bonne croyance. Et prends-les comme une pratique dans toute la vie. Yurtikum kiflaini min rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit dire amen iman dans sa rasoula, ensuite il fait mention de ma récompense qu'il finit réserver ou man qui met les en pratique, il dit yurtikum kiflaini min rahmati, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Trois récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit mentionner ici. Pour celui qui attrape l'islam, pour celui qui donne l'importance à dire à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à premier qui tue, première récompense, c'est quand celui qui cramponne avec l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, yu'tikum kiflayn min rahmati. Allah lui donne des kifles, depuis son rahmat. Kifle, comment ben on a fini d'expliquer, c'est des ports. Nous gagnons deux ports depuis Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Un dans dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lui verse ce Rahmat dans dunya, lui facilite nous la vie dans la terre. Et un deuxième port de Rahmat, nous gagnons l'akhirat, le jour qui nous n'a pour rencontre, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pitié de nous et nous retrouve nos places, incha'Allah, dans meilleure devant destination dans Jannat, incha'Allah. Et deuxième récompense qui Ndimoun l'y gagne quand l'y garde lui-même attaché avec sa dîne avec l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'y accorde lui une lumière, l'y accorde lui un éclairage à travers lequel l'y est guidé dans dunya, l'y gagne la guidance dans dunya et aussi bien l'y gagne la guidance dans akhirat. L'y gagne guidance, l'y gagne l'éclairage dans dunya veut dire l'y vivre sur la vie dans un bien-être. Lui vivre avec prospérité, lui vivre avec succès, et lui être guidé vers la différentes actions de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, lui être guidé dans l'akhirat, veut dire, lui gagner la guidance jusqu'à Jannah, destination qui nous souhaitait pour gagner, et destination qui nous tous nous a fait efforts pour nous gagner. Donc ça, c'est déjà une récompense pour qui va ban qui je crampe, je te attache avec l'islam. Pas ban
qui je prends l'islam comme une routine. Pas ban qui prend l'islam et dire juste moi musulman. Il finit par la même pénalité de l'islam dans sur la vie. Et troisième récompense, c'est un djimoun, quand il comprend avec l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve un pardon pour lui dans dunya et dans l'akhirat. Et sa récompense, à frère et ma soeur, est générale. Une récompense générale veut dire un pardon pour n'importe qui s'en a. Qui n'est pas juste pour ban, qui finalement iman, veut dire juste les réserves pour ban, non. Veut dire pas juste ban qui, je premier dîne, c'est dîne en islam. Comment nous finis nés dans l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pas de réserve ça juste pour nous. Même un djimoun qui est dans une autre religion, mais ensuite il a accepté l'islam, il est dedans. Veut dire dans le judaïsme, ou bien dans le christianisme, ou bien dans l'hindouisme, peu importe qui dit l'isouti, et il a accepté l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve sa pardon là pour lui, il réserve sa récompense là pour lui, dans l'unia, aussi bien qu'il dans l'akhirat. Et parmi ben hadith, qui montre nous, vertu de l'islam, après, et ben ce qu'il y a, nous, ben les autres religions, nous gagne un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il peut donner un exemple. Et l'exemple, c'est la meilleure façon pour l'expliquer à une petite chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit juste l'exemple. Il dit nous, sa ummat là, nous l'exemple, et l'exemple de ban ahlul kitabain. Ahlul kitabain, c'est ban juif et ban nasara. Ban juif et ban nasara. Alors, nous l'exemple, et l'exemple de ban yahoud et ban nasara, lui pareil comme l'exemple d'un djimoun, qui l'ifin prend ban djimoun pour travailler avec lui. L'ifin prend ban djimoun pour travailler avec lui. Lui dire qui s'en là pour faire un travail pour moi depuis tôt le matin, depuis commencement de la journée jusqu'à la moitié de la journée. Alors ban juif, ban yahoud, je fin faire lui. Ban yahoud, je fin faire lui. Ensuite lui dire qui s'en là pour faire un travail pour moi depuis la moitié de la journée jusqu'à Arrive, salat asr. Alors, qui s'en là pour faire un travail pour moi? Ban nasara fin fiali. Ensuite, il dit, et là-dedans, il mentionnait, récompense qu'il y peut donner, c'est un qirat. Qui s'en là pour faire un travail pour moi? Depuis commencement, le matin, jusqu'à la moitié de la journée, me donner un qirat. Un qirat, c'est normalement, et c'est un douzième d'un dirham. Un douzième d'un dirham. Et, ou bien, nous capables de dire, c'est un port de récompense. Ban Yahoud, je viens faire pour ce qui, tout le matin. Ban Nasara, je viens faire ce qui prend depuis la moitié de la journée, jusqu'à Salat Asr. Ensuite, il dit, qui s'en a pour faire un travail pour moi, depuis Salat Asr, jusqu'à arrive coucher du soleil. Et nous comptons très bien, moment plus court, c'est un moment qu'il y a entre Asr et coucher de soleil. Ça même, on va plus court qu'il y en a. Donc, qui l'exemple est là, dans le frère et dans le soeur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ça, c'est eux. Ban qui fait sa travail entre Asr jusqu'à coucher de soleil, ça, c'est eux. Ça, c'est sa ummat là. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummat de l'islam. Et, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ban juif et ban chrétien, je finis en colère. Ban juif et ban chrétien, je n'en connais qui fait. Je dis, et dimanche, on est aussi qui, quand ça a dit, ou bien ça a l'exemple là qui finit de donner, celui qui fait un travail entre Asr et Maghrib, alors il gagne des kirot. Il gagne des kirot. Ben là, combien il gagne? N. Ça, on a combien il gagne? D. Et plus tu quittes le temps, il travaille, plus tu quittes le temps, il gagne D. Ben là, il travaille plus beaucoup le temps, il gagne N. Ben là, il en colère. Le vote Allah, alayhi wa sallam, il dit, Ban Yahoud et Ban Nasara, je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, nous ne travaillons plus beaucoup, mais nous gagnons plus de récompense. Nous ne travaillons plus beaucoup, veut dire, je te la vie ou la terre, tu plies long. Je te la vie ou la terre, ben là, tu peux vivre pour centaines de années. Nous la vie ou la terre, tu plies long, mais ça va nous gagner plus de récompense. Ban là, Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je domine à la fin de la journée, veut dire à la fin de sa époque-là. Je domine dernier, je fais un petit travail, mais je gagne des fois plus de récompense. Je gagne plus beaucoup de récompense. Tout ça, là, on va faire, c'est pour montrer nous
qui vertu sa dîne est là. Nous dîne, c'est un dîne qui supérieur. Nous dîne, c'est un dîne qui prend nous, lui met nous là-haut, mais nous qui nous fait faire avec nous l'insouciance, avec nous l'ignorance qui nous fait faire, nous fait descendre pour nous-mêmes. Nous fait descendre, nous pas laisser remplir là-haut là nous. Nous laisser qui? C'est qui plie en bas. Donc, va faire, et va se faire, d'après ce hadith là, la personne qui vient faire faveur, l'autre celui qui vient travailler depuis à ça jusqu'à coucher le soleil, elle vient donner une plus grande récompense qui va les autres. Donc, et malgré une faiblesse qui travaille, mais il gagne plus beaucoup récompense. Ça, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses, ben, qui trouvent dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ben, qui vient accepter l'islam, et je vis d'après l'islam. Quand nous disons vivre d'après l'islam, c'est vivre comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin au de nous pour vivre. Pas comment nous en vivons, pas comment nous l'esprit vous dit bon pour vivre, mais c'est comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin au de nous et les finance à nous pour vivre. Alors ça c'est l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin de nous pour sa oumat là. Nous l'existence comparée à Banla, les plus chiquites, mais seulement nous récompense comparé à Banla, les plus beaucoup. Et un deuxième hadith à faire pour nous terminer avec ce premier point là, c'est concernant vertu de l'islam, comme on l'a rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, les fin détourne ban qui avant nous, les fin détourne depuis Yawm al-Jum'a, depuis vendredi. Les fin détourne donc ban Yahoud, ban Juif, je viens gagner samedi. Ban nasara, ban chrétien, je gagne dimanche. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala vient envoyer nous, et il vient de nous vendredi. Il vient de nous vendredi, et ensuite, il dit, comme ça même, le jour du Qiyama. Donc, ça, l'exemple qui vient servir là avant de faire. Ban juif, vient avant nous. Ban juif et ban chrétien viennent avant nous. Mais qui jour je gagne? Samedi et dimanche. Vendredi, quand ils viennent avant samedi, dimanche, ou bien ils viennent après? Ils viennent avant. Nous, quand nous venons avant Banna, nous venons après Banna. Nous venons après Banna, mais nous gagnons un jour avant Banna. Le prophète dit comme ça même, le jour du Qiyama, malgré qu'il Banna vienne avant nous, nous ne pouvons dépasser, nous pouvons dévancer, nous pouvons rendre la Jannah avant Banna. Nous pouvons rendre la Jannah avant Banna, l'Ira Banna pour rendre. Banna pour rendre la Jannah, celui qui vient amène Iman. Donc, ça montre-nous qui vertu, qui l'importance Allah subhanahu wa ta'ala les fins de nous, pas les musulmans, mais seulement par nous, l'ignorance, nous pétap coup de pied, nous capables de dire, nous pétap coup de pied dans sa famille là, dans sa lonnière là, nous dire, nous, avec nos propres actions, nous dire, nous pas les sa lonnière là. Donc, ma frère, mon cher Kenaïman, il est important pour nous apprendre et nous mettons en pratique dîner à l'islam, nous attachons-nous avec dîner à l'islam, afin qu'il nous continue à gagner sa bande là. Et ça, le lien là, mon frère, mon cher Kenaïman, il est réservé seulement pour ban qui attrape sa dîner fermement. Attrape sa dîner là, comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les fins haut de nous, pour nous vivre sa dîner là, et d'après ce ban l'enseignement, non plus, qui nous fait ban quitteuse, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin empêche-nous, ou bien même les pas fin enseigne-nous. Ça, c'est concernant le premier point. Maintenant, le deuxième point qui nous est là pour ce soir, mon frère, c'est après qu'il nous finit pas concernant la vertu de sa dîne, la vertu de l'islam, maintenant, quelle obligation nous est là pour nous attraper sa dîne là? Quelle obligation nous est là pour nous vivre dîne à l'islam? Alors, toujours, à la lumière de ben, le Coran et ben, le Hadith, nous guettons comment Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nous guettons qui Allah subhanahu wa ta'ala libère attendre de nous, en ce qui concerne l'obligation pour nous accepter l'islam, pour nous vivre l'islam, comment un vrai musulman. Et quand nous disons l'obligation de vivre l'islam, l'obligation veut dire une petite chose qui nous va pas capable d'échapper de ça. Une petite chose qui nous oblige à faire, peine à sortir de là. Et l'obligation de vivre l'islam, c'est-à-dire nous obliger à accepter sa dîne, et nous obliger à adhérer nous à sa dîne, nous obliger à mettre en pratique dans la vie, dîne qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin vine avec ça. Et nous, pratiquement, dans façon
qui livre un enseignement, qu'il soit dans ce bas de la loi, dans ce bas d'information, ou bien dans n'importe qui chose qui est relié avec dina l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous finissons au commencement, il dit, inna dina inda Allah l'islam. Certainement, din qui est acceptable. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Donc, à travers sa ayat à mon frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala, les fins spécifiées, din l'islam, comment din qu'il est satisfait avec ça pour nous. Din qu'il y a accepté lui, qui peut amener nous vers Jannah, c'est din à l'islam. Donc, tout est ibadat, qui nous supposait préférer, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il crée nous pour nous faire sa bonne ibadat là, nous pas pour capable faire lui accepter quand nous fin attrape l'islam, quand nous fin accepter l'islam. Nous pas capable de dire, nous faire salat, nous gagne l'autre pour faire salat, nous faire salat, mais seulement nous pas musulmans. Nous garde l'osa, mais seulement nous pas musulmans. Nous faire hajj, seulement nous pas musulmans. Ça, dis pas moi aussi. Dis pas un quelque chose qui est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous obligés à accepter l'islam pour nous capables de faire ce qui Allah subhanahu wa ta'ala l'ifin crée nous pour ça. Et dans ayat 85 dans surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, wa man yabtaghi ghayra l'islam dina, celui qui lui redonne le din, apporte l'islam, fala yuqbala min, ça pas pour être accepté de lui, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ni pour parmi les perdants, le jour du Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, infiniment clair. Allah subhanahu wa ta'ala, infiniment clair, c'est un avertissement qui s'arrête la liberté de nous pour ban qui quitte l'islam pour y aller route, ça le nier là, une autre place apporte l'islam. Ou bien pour y aller route, une quelque chose qui médire qui l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit attribuer cet avertissement là avec la perdition. Le jour du Qiyama, les pour, ou bien de l'Akhirat, les pour parmi les perdants. Et n'importe qui avertissement, qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait donner, qui est attaché avec la perdition dans l'Akhirat, c'est quand nous quittons quelque chose qui est obligatoire, ou bien quand nous faisons quelque chose qui est haram. Soit nous quittons ce qui est obligatoire, ou bien nous tombons dans ce qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala dit menace nous avec la perdition. Et action concernant lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les finaliers nous, c'est nous allons un autre qui chose apporte l'islam qui nous trouve l'immédiat. Donc nous comprenons ça, mon frère et ma soeur, rentre dans l'islam, accepter l'islam et pratique l'islam, ça c'est un qui chose qui est obligatoire. Qui faire? Parce que la sécurité pour qui nous pas tombe dans la perdition, les finis avec l'islam. Jusqu'à nous pratique l'islam. Les là qui ne sont capables d'échapper depuis sa avertissement qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin de nous là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-An'am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Ça c'est mon chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ça c'est mon chemin droit. Veut dire l'islam, ça c'est moi mon chemin droit, l'islam. Alors, suivre l'islam, c'est un autre qui Allah subhanahu wa ta'ala libé de nous. Quand il dit, faites tabi'ou, c'est dans forme impératif, donc c'est un autre qui Allah subhanahu wa ta'ala libé de nous. Et un autre, libre règlement de l'obligation. Un autre, libre règlement de l'obligation, nous obligé à faire lui. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, wa la tête tabi'ou subul, ça aussi c'est un autre, et libé dire, pas suivre les autres chemins, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ça vous fait se dévier depuis ce chemin, depuis le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un empêchement. Et un empêchement, c'est interdiction. C'est quelque chose qui est interdit, nous pas gagner droit à lui. Donc, suivre les autres chemins, c'est quelque chose qui est haram. C'est quelque chose qui nous pas gagner droit à lui et nous pas capable de rester loin. Depuis sa bonne chemin là, excepté quand nous attrape le chemin de l'islam, excepté quand nous attrape le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le chemin droit. Et Mujahid, il dit concernant, ça banne les autres chemins qui Allah subhanahu wa ta'ala, il mange les là, il dit ça, c'est ban bid'a, et ban doute, ban ambiguïté qui est là dans la tête de Manjimoun. C'est ban bid'a qui Manjimoun a inventé dans le dîn d'Allah, et ban doute qui amène un djimoun pour dévier depuis l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les fins dire pas suivre les autres chemins. Peu importe qui chemin, qui vous dévient nous depuis l'islam, vous détourne nous depuis l'islam,
nous fin gai l'autre pour nous reçoit depuis sa bonne chemin là. Donc, ben frère, ben soeur qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Celui qui attrape l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait une réserve, une grande récompense pour lui. Et celui qui quitte l'islam, pour y aller autre savante qui se là, en dehors l'islam, d'une autre religion, ou bien d'un autre moyen, à part ce qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fait une enseigne dans l'islam, alors, il a un avertissement sévère pour lui, lui vous retrouve lui, parmi les pédants, le jour du Qiyama. Alors, mon frère, mon soeur, ça, c'est nos rappels et nos explications pour sa session de ce soir-là. Vertu qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin accordé à l'islam et qui l'obligation, nous tous. C'est pas nous en tant qu'ibn musulmans, non, mais nous tous. Tout ban insan qui l'ont laté, Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous, nous avons l'obligation pour nous attraper, pour nous accepter et nous mettre en pratique dans nous la vie. Alors, on fait, ben, ce qui est mal. Avant qu'il nous termine, nous, ce qui nous vient expliquer, nous résume dans certains bons points, afin qu'il vienne facile pour nous capter, afin qu'il vienne facile pour nous mémoriser peut-être, et afin qu'il nous capable de profiter avec ça. Donc, nous, pendant nos élaborations, nous venons apprendre que l'islam, c'est sa même dîne qui meilleur, meilleur dîne, et c'est sa même dîne qui supérieur avant les autres religions. C'est celle dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'y a accepté le jour du Qiyama, et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait prendre l'engagement pour qu'il y préserve sa dîne-là, qu'il y soit avec nous ou bien sans nous. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous comprendre, frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala lui pour préserve ce dîne, l'infini prend sa engagement-là, qu'il y soit avec nous ou bien sans nous. Comment Cheikh Fawzan dit dire, nous pas besoin d'un tracas, est-ce qu'il sa dîne-là lui pour rester ou bien non. Mais nous besoin d'un tracas, est-ce qu'il nous pour rester dans sa dîne-là ou bien non. Est-ce qu'il nous là, nous peut attraper sa dîne-là ou bien nous peut quitter sa dîne-là. Ça, c'est tracas qui nous besoin de gagner. Parce qu'il dîne à l'islam ni pour là, jusqu'à le jour du Qiyama. Mais nous pas connaître quand nous vous tomber. Alors, c'est nous qui besoin prendre précaution. Et parmi les vertus qui nous font apprendre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait complète l'islam. L'islam, c'est un dîne qui est parfait et c'est un dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait satisfait avec ça pour nous. Et parmi les récompenses qu'Allah fait réserver pour les gens qui acceptent et attrapent l'islam, c'est deux parts de rahmat, un dans dunya et un dans akhirat, et nous gagnons un pardon dans dunya et dans akhirat, et aussi nous gagnons une lumière, un éclairage qui guide nous dans dunya, dans la vie de tous les jours, et il guide nous vers nos akhirat, c'est-à-dire vers la destination qui appelle Jannah. Et celui qui attrape dîn à l'islam comme un bizarre, alors il mérite pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui attrape l'islam, il est pareil comment celui qui fait un travail tchikit, mais il gagne plus beaucoup récompense comparé à les autres religions. Et celui qui attrape l'islam en frère et en soeur, il pour rentre dans Jannah en premier, mais déjà comparé à les autres peuples qui viennent vivre avant nous pourrons dans Jannah avant ban là, malgré que nous, c'est nous-mêmes dernier ummah qui viennent vivre l'eau sur la terre là. Nous vous devance ban là le jour du Qiyama. Et nous finissons aussi apprendre concernant l'obligation. Nous attrape sa dîne là, c'est ne pas vous capable d'accomplir raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, les vins créent nous, excepté si nous attrape. Nous attrapons l'islam et nous pratiquons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait une avertissement contre une perdition pour celui qui quitte l'islam pour aller autre, elle le dit, qui lui pensait, ni meilleur qui dit à l'islam. Et celui qui quitte l'islam, le jour du Qiyama, n'est pour pas mis, ben, perdant sans doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait l'ordonne nous pour nous suivre l'islam et lui fait empêche nous pour nous suivre tout ben les autres chemins qui contredisent l'islam, qui pour amener nous vers la perdition le jour du Qiyama. Voilà mon père, ça c'est un petit résumé, afin qu'il nous capable d'assimiler ce qu'il nous entendait, et par père du Allah subhanahu wa ta'ala, lui aide nous, lui profite nous, afin qu'il nous capable, mais dire, ressaisir nous-mêmes côté notre manquement, et nous capable de renforcer nous-mêmes dans bonne place, que nous trouvons nous et notre faiblesse, dans nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aide nous pour nous pratiquer, un islam, comment l'île est descendue
qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous pratiquer l'islam d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle ce qui nous fait tourner dans nous les kéa, lui faire les faits, l'eau nous les kéa, lui amolir nous les kéa, afin qu'il lui donne le tawfir et nous capable de par le meilleur musulman, l'eau salatier là, et dans l'akhirat, nous retrouvons-nous dans par le meilleur place, dans Jannat al-Firdaus, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jazakumullahu khayra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.